À l'âge de 9 ans, j'ai appris l'existence de ma demi-sœur. Vous allez essayez-vous de la retrouver? Oui, presque 10 ans après, on va chez des amis de ma maman. Je rencontre le frère de son ami. Je lui donne le nom de mon ex-belle-mère. Je dis, écoute, je crois que je les connais. J'avais 6 ans. J'étais instantanément tombé amoureux de cette petite fille. C'était ma petite Catherine Régnier. Je n'ai jamais oublié ce nom-là. À chaque fois que nous rencontrions une personne qui s'appelait Catherine, j'ai dit, vous appelleriez pas Catherine Régnier par hasard? En fait, c'est devenu un jeu. Et donc, en 2008, nous emménageons dans cette nouvelle maison et Evelyne me dit « Ah ben tiens, je te présente les voisins. » Le running gag, par hasard, est-ce que vous appelleriez Catherine Régnier? Oui, pourquoi vous me dites ça? On vous a dit que votre père était mort. C'est ça. J'étais mannequin à l'époque et le propriétaire de la marque de vêtements, il a commencé à me draguer, etc. Je lui dis « Oh là là, vous les pieds noirs marocains, vous êtes infernaux parce que mon père, ça devait être le même style. » Et il me dit « Ah mais tu sais que je le connais très bien, ton père. » Mon père était le monsieur qui avait piqué sa femme. En fait, il n'était jamais mort. Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque après-midi de plus en plus fidèles. Et si la vie n'était qu'une suite de hasards? Ce ne sont pas nos invités qui vont nous dire le contraire aujourd'hui puisqu'un coup du destin, on peut vraiment l'appeler comme ça, a totalement transformé leur vie. Le destin, le hasard, des rebondissements, tous les ingrédients qu'on adore dans Ça commence aujourd'hui. Bienvenue chez vous. Bonjour Christophe. Bonjour Faustine. Vous me présentez celle qui est avec vous aujourd'hui? Mon épouse Evelyne. Votre épouse depuis combien de temps? Depuis 35 ans bientôt. 35 ans de mariage, c'est beau, félicitations. Merci. Bonjour Evelyne, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. À côté de vous, Anaïs. Bonjour Faustine. Bonjour Anaïs, tout va bien? Ça va, merci. À côté de vous, Petra. Bonjour. Bonjour Petra. Tout le monde en rose. Oui, c'est un hasard. C'est vrai, hein. Et d'ailleurs même moi, j'ai été un petit peu inspirée. C'est encore un hasard, voilà, encore un heureux hasard. Vous n'êtes pas mis en rose, Christelle Abarret? Bon, j'ai un petit peu de Bordeaux. Un petit peu de Bordeaux, on peut dire que c'est encore. Bonjour Christelle, merci de nous accompagner aujourd'hui. Comme régulièrement dans Ça commence aujourd'hui. Quelle est la personne que vous avez retrouvée? On va faire un petit tour comme ça. Quelle est la personne que vous avez retrouvée par le plus grand des hasards, vous Anaïs? Ma demi-sœur du côté paternel. Ouais. Donc, et grâce à elle aussi, j'ai retrouvé en quelque sorte mon demi-frère qui est aujourd'hui mon compagnon depuis 3 ans. Petra, vous, qui Alors vous moi, a c'est qui, avec qui vous retrouvez? Double aussi, c'est mon père et un demi-frère. Vous avez retrouvé votre père et un demi-frère? Pas du tout en même temps. Hein. Mais pas en même temps? À quelques années d'intervalle. Et vous, Christophe? La petite fille dont j'étais fou amoureux à la maternelle. Ah, fou amoureux? Oui. Oui. D'accord. Ah oui, alors Evelyne, elle répond pour vous. Hein. Ah oui, il était fou amoureux. Pourquoi? Il vous en a parlé dès le début de votre rencontre? Disons que nous nous connaissons depuis l'âge de 15 ans. Ouais. Et depuis l'âge de 15 ans, j'entends parler de Catherine. En fait. Dis donc, vous avez bon dos, vous, d'accepter qu'il vous parle d'une autre femme depuis 35 ans? Oui, mais je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. D'accord. Et je trouvais l'histoire tellement magnifique, en fait, que j'attendais ce moment-là. J'espérais un jour. Que vous alliez la trouver, oui, cette Catherine? Pour Christophe, oui. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontrée, cette petite Catherine de l'époque? J'avais 6 ans. C'était en 1967, l'année scolaire 1966-1967. Donc vous avez une bonne mémoire, hein? Oui. Oui, pour ce genre de choses, oui. Et alors, vous vous en souvenez, pourquoi elle vous a tant marqué? Elle était comment déjà, cette petite Catherine? C'était une petite fille que je trouvais très jolie, une petite fille toute blonde, avec des cheveux longs, blonds. Elle m'avait touché, je ne sais pas pourquoi. J'étais instantanément tombé amoureux de cette petite fille, comme on peut être amoureux d'une petite fille lorsqu'on a 6 ans. Vous lui aviez dit à l'époque? Non, je ne lui avais pas dit. C'est un amour que je vivais... Dans votre cœur. Voilà, oui. Alors c'est effectivement... C'est Catherine à l'époque. Voilà. Oui, absolument. Adorable petite poupée. Voilà, absolument. Donc je suis tombé amoureux de cette petite fille-là et je ne lui ai pas dit, je n'ai pas osé lui dire, je vivais ça dans mon coin, en secret. C'était un amour d'enfant, mais en secret. Et vous étiez amie avec elle? Non, même pas. J'étais content d'aller à l'école parce que je savais que j'allais la voir. C'était mon petit rayon de soleil, je la voyais tous les jours à l'école et j'étais content d'aller à l'école. Et vous aviez le rêve quand même un jour de lui adresser la parole, de faire quelque chose avec elle? Alors, j'avais... En secret, ce que j'espérais, c'est que je savais qu'à la fin de l'année, il y aurait une fête d'école. Et mon objectif... Oh. Oh, c'est vous? Il est mignon. Hyper mignon, en culotte course avec les chaussettes. On dirait le petit prince de William et Kate. Oui. Et Kate, un peu. Ils n'ont pas la même voiture, je pense. Et donc, mon rêve secret, c'était pour la fête d'école de fin d'année,
Je m'étais fixé comme objectif de danser avec elle. J'ai dit, ça sera ma princesse de la fête de fin d'année. Mon rêve, c'était de danser avec elle et peut-être pouvoir lui dire à ce moment-là quelque chose. Je suis amoureux de toi, comme un petit garçon de 6 ans pourrait le dire. Hyper mignon. Et alors, est-ce que vous l'avez eu, cette danse avec elle, à la fin de l'année? Alors, le drame vient de là, c'est que nous n'avions pas le choix de choisir sa cavalière. Bah, qui décidait? C'était la maîtresse. Ah, pour pas qu'il y en ait qui soient laissés de côté, que tout le monde réclame la même petite fille, absolument. Tout ça. Et donc, c'est la maîtresse qui avait décidé. Oh, elle vous a pas mis à Catherine? Non. Mais... J'adorais bien, elle dit, ben non. Non, on m'a mis avec... Pardon, Christophe. Par contre, il se souvient de la personne avec qui il a dansé? Oui, je me souviens aussi du prénom et du nom de famille de la petite fille avec qui j'ai dansé. Vous avez dansé avec qui? Avec une petite fille qui s'appelait Sylvie. Elle était mignonne? Ben, moi, c'est-à-dire que j'étais tellement amoureux de Catherine... Ah, ça, c'est une danse. C'est Sylvie? Non, c'est moi. J'ai vu une robe en me retournant. En fait, non, c'est pas une robe. Il y avait une des danses qui était des coquillages. Donc, ah oui, c'est la danse des coquillages, très connue, bien sûr. Oui, mais qui était bien pratique parce qu'il faisait une chaleur d'enfer ce jour-là. Donc vous étiez en maillot en dessous? Et il faisait tellement chaud qu'il fallait ouvrir et fermer la coquille. Et donc il me tardait d'ouvrir la coquille pour me protéger du soleil. Et refermer la coquille était un calvaire. Vous avez quand même un souvenir et une mémoire assez gigantesque pour vous souvenir de cette ambiance dans le coquillage. C'est juste. Non, mais c'est parce que je n'ai pas pu réaliser. Que vous avez marqué ce moment traumatisant. J'ai marqué cette fête, c'est un souvenir en fait pour moi. Mais pas bon. Il faisait chaud, il faisait trop chaud. La petite fille avec qui j'ai dansé, je la trouvais trop grande, trop pour moi. Enfin, elle était trop grande, trop. Voilà, c'était pas mon truc. C'était pas Catherine. Catherine, elle a dansé avec qui? Elle a dansé avec un copain à moi qui savait que j'étais amoureux d'elle et qui s'appelle Jean-Luc. Oui, c'est vrai. Et elle a dansé avec lui. Je suis sûr qu'elle, elle s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens. Et voilà. Donc, je n'ai pas pu danser avec Catherine. Et cette fête d'école a été, c'est un souvenir très précis, mais pas un bon souvenir. Un vrai chagrin. Oui. Ouais, un vrai. Alors, vous dites le mot vrai. Ça a été. Je l'ai vécu comme avec. Aujourd'hui, je le dis comme un monsieur qui a bientôt 60 ans. Un vrai chagrin d'amour. Oui, je comprends. Je l'ai vécu comme ça. C'était quelque chose de traumatisant. C'était un vrai chagrin. On a des amours extrêmement sincères à cet âge-là et qui sont très purs et qui peuvent marquer et traumatiser et conduire à des vrais chagrins. Hein. J'en suis convaincue. Voilà, c'était un vrai chagrin d'amour, un traumatisme qui est... Alors, traumatisme, tout est relatif. Non, mais quelque chose de fort. Quelque chose de fort qui est resté. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez vu Catherine quand vous étiez petit? C'est ce jour-là. Je suis partie et je ne l'ai jamais revue. Ouais. Jamais. Et vous l'avez jamais oublié? C'est-à-dire que cette frustration et ce chagrin de fin d'année est resté dans votre cœur? Absolument. Et j'ai associé. Alors, au fil du temps, évidemment, je n'ai plus associé l'image. C'est-à-dire qu'évidemment, je n'aurais pas reconnu. Je n'avais plus les traits de la petite fille en mémoire. Évidemment. Et puis, Mais j'avais toujours en mémoire son prénom, évidemment, et son nom de famille surtout. Voilà. Pour moi, c'était Catherine. Catherine Régnier. Catherine Régnier. On peut citer le nom avec son accord. C'était ma petite Catherine Régnier. Je n'ai jamais oublié ce nom-là. Incroyable, c'est joli déjà ce début d'histoire. Oui. Et puis est arrivée Evelyne dans votre vie donc, quand vous aviez 15 ans, tous les deux. Absolument. Nous étions à l'école ensemble, on s'est rencontrés en classe de seconde. Oui. En 1976, l'année scolaire 76-77, c'est-à-dire 10 ans après la maternelle. Et à quel moment vous lui avez parlé de Catherine à Evelyne? Oh, assez rapidement, je trouve. Hein, parce qu'évidemment, on fait connaissance, on se raconte les uns les autres. Et puis, oui, assez rapidement, Christophe m'a évoqué cette histoire. Oui, parce cette jolie petite histoire. Pour moi, c'était vraiment une belle histoire. Très jolie petite histoire d'amour. Comme un conte d'enfant, je trouve, en fait. Oui. Et alors, quelle place a pris Catherine, finalement, après, dans votre vie, dans vos 35 ans de couple? Elle revenait souvent? C'était, en fait... Oui, là, Evelyne, elle a cri du cœur. Ouais. En fait, c'est devenu un jeu. Oui, un running gag, un peu. C'était devenu un running gag. C'est-à-dire qu'à chaque fois... que nous rencontrions une personne qui s'appelait Catherine. Alors, dans notre génération... Qui était susceptible, c'était un prénom qui a donné assez fréquent. Et selon le contexte, si la soirée était amicale, etc., et que ça pouvait cadrer si c'était quelqu'un de notre ville, on se disait... Ah, Catherine, oui, vous êtes de... Catherine Régnier. Alors, j'ai dit, vous appelleriez pas Catherine Régnier par hasard? Et la femme en question me disait, non, pas du tout. Ah bon, je dis, et pourquoi vous me demandez ça? Et donc, je racontais ma petite histoire, etc. À chaque fois. Et même Evelyne, ça lui est arrivé. Étant femme au foyer, j'accompagnais beaucoup les enfants dans des activités. Et si je me retrouvais avec une jeune femme ou une femme qui était susceptible d'avoir cet âge-là, qui s'appelait Catherine, je posais la même question que Christophe, en fait.
si j'avais l'occasion, voilà, d'avoir une Catherine. Parce que je cherche la première amoureuse de mon mari, en fait. Donc, non, mais vous, c'est vrai, mais je en comprends, fait, c'est devenu ça. Quelque chose entre vous, oui. presque oui. un peu mystérieux, ah, oui. et presque un jeu entre vous, oui. il fallait qu'on retrouve Catherine. Je, oui, et puis moi, je rêvais tellement de lui apporter ce bonheur-là, en fait, que j'espérais. Il n'y a pas une petite voix en vous qui s'est dit « J'espère qu'il ne va pas retrouver une femme célibataire, ravissante et qui aurait non. peut-être envie de concrétiser ce qui n'a pas été concrétisé alors, il y a 30 absolument ans ?» Absolument pas, parce que j'ai une entière confiance en Christophe D'accord. et je n'ai jamais eu cette question-là. Cette jalousie-là. Jamais, à aucun moment. Bon. Non, je voulais vraiment que ce soit un moment de joie, de bonheur. Vraiment, je l'attendais pour lui. Après, sont arrivés les Internet, etc. Je ne suis pas un adepte... Je ne suis pas un fou furieux d'Internet et des recherches et des réseaux sociaux. Donc j'ai cherché, mais j'ai cherchoté. Quoi. Sans trop y croire, entre deux, oui, en faisant d'autres trucs, quand j'ai regardé. Oui, puis c'était devenu. Non seulement c'était devenu un jeu, mais c'était pas obsessionnel non plus. Quoi. Voilà, vous avez votre vie, heureusement. On en parle beaucoup, mais ce n'était pas obsessionnel. Et puis surtout, c'était un truc qui était devenu un peu du domaine du fantasme de l'enfance. Quoi. Ça n'arrivera jamais. Un truc comme ça, ça ne peut pas arriver. Donc vous abandonnez de fait la chose. Quoi. Vous dites, bon, ça n'arrivera jamais. Donc il y a une espèce de fatalisme qui s'installe. Sauf que 41 sauf que... ans après cette fête de fin d'année, vous allez déménager. Oui. oui. C'est ça ? Absolument. Nous changeons, décidons des déménagements. D'acheter une maison. Voilà, on rachète Absolument. Une maison. Voilà, on aime bien. Et voilà, nous sommes donc en 2008. Nous déménageons, enfin nous emménageons dans cette nouvelle maison le 5 août 2008, très précisément. Et puis, voilà, donc Evelyne peut enchaîner sur cette partie-là, parce que moi, l'installation et les premiers contacts avec le quartier, je le vis d'assez loin, le boulot, j'ai des horaires un peu décalés dans le temps, je rentre tard, je rentre, il est minuit, donc je n'ai pas de contact avec le voisinage. Ouais. C'est Evelyne qui a les premiers contacts avec les voisins. Voilà, et donc des gens fort sympathiques. Qui nous disent ça pourrait être sympa quand même, nous avons à peu près tous le même âge, ça pourrait être sympa qu'on se fasse un petit apéritif dînatoire en bienvenue dans le quartier. Quoi. Et là, je suis sur la réserve parce que j'ai un très mauvais souvenir de voisinage avec mes parents, dont les voisins investissaient la maison tous les jours pour l'apéritif. Enfin, c'était une catastrophe. Donc j'ai dit à Christophe, ça ne va pas être possible. Ah ouais, ça va devenir permanent. Ah non. On met le doigt dans un engrenage, pas possible. Je ne veux pas des gens qui viennent chercher un œuf, du sel, qui frappent, qui... Non, ça ne va pas être possible. Et là, en fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que le sauvage dans la maison, c'est moi. C'est vrai. C'est-à-dire que Evelyne est d'une... On dirait pas. Mais si, Evelyne est d'une nature extrêmement... Ouverte et ouverte, joviale. Ouverte, etc., joviale. Elle parle beaucoup. Enfin, elle parle beaucoup. Elle parle avec tout le monde. Elle est... Moi, je suis plutôt sauvage. Je suis du genre... Et là, ça a été l'inverse. Oui. Et là, elle disait... Alors, elle me raconte l'affaire. Elle dit, tu sais, le voisin, il est venu, il nous a invités à... Elle dit, bof. J'ai pas envie. J'ai pas très envie. Et moi, pour une fois, mais je comprends toujours pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas du tout ma nature, je lui dis, oh, écoute, on va pas faire les sauvages. Ils ont la gentillesse de nous inviter. Ça sera qu'un apéritif. Allons-y, quoi. Je veux dire, c'est gentil ce qu'ils font. On va pas leur claquer la porte au nez en disant non... Donc rendez-vous à l'apéro le samedi suivant. Absolument. Juste avant cet apéritif-là, dans la semaine, moi j'ai eu l'occasion de les apercevoir, en fait, depuis la fenêtre de la salle de bain, la fenêtre s'ouvre, et Evelyne me dit, ah ben tiens, où elle est en bas, je ne me rappelle plus comment ça se passe, et tiens, je te présente les voisins. Ah bonjour, je dis de la salle de bain, et en fait, je ne calcule pas du tout la dame, je regarde le monsieur, et de la fenêtre, je dis bonjour, je dis on se connaît, non? Et lui a un peu le même réflexe, il dit, ah oui, on se connaît. Et en fait... Le monsieur. Oui. Le monsieur. Et donc, je regarde le monsieur, mais je ne calcule pas du tout la dame. Je ne sais même pas si je vois sa femme. Et bonjour, donc, à samedi. Oui, à samedi, bonjour. OK, OK, OK. Voilà. Bon. Vous arrivez, et là, vous présentez, vous demandez vos prénoms ? Non. Oui, si. Ah, si, pardon, excuse-moi. Si, il me semble. C'est pas très, très grave comme erreur. Hein. Ne vous excusez pas non plus. Et là, il vous dit deux prénoms. Et là, elle Thierry dit... Catherine. Thierry Catherine. Voilà, bonjour. Et là, il n'y a pas une petite non. blague entre vous, genre Catherine, Catherine ? Du tout, mais du tout. Pas tout de suite, mais pas du tout. D'accord, donc vous prenez l'apéro ? Ouais, parce oui. que je suis omnubilée par le fait d'avoir l'impression de connaître ce monsieur. Ah, vous cherchez d'où vous le connaissez, ouais. en fait. C'est ça qui vous prend la tête. Absolument. Et le début de la conversation, c'est ça. Mais on se connaît d'où ? On se connaît d'où, et donc, du coup, on discute très vite. On se met très vite à discuter de nos... Il fait beau, mois de septembre, on est dehors, il nous invite dans une jolie maison, une jolie terrasse, c'est très agréable. On passe une soirée sympathique et on discute très vite. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, parce que pour justement... Essayer de regrouper... Pour essayer voilà. de dire, mais comment on pourrait se connaître. De recouper les trucs. En fait, on ne se connaît pas du tout.
Thierry nous parle, il dit « Moi, je viens des Ardennes. Bon, j'ai... Donc, voilà. » Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Le mystère est entier. Hein. Genre, et vous faites la même chose avec Catherine, vous ? Absolument. Donc, on se raconte un peu nos vies, hein, comme tout le monde, quand on se rencontre. Et puis, on en reste là. Donc, les enfants, le travail, et puis voilà. Et puis, de fil en aiguille, un apéritif, un deuxième apéritif. Donc, on a déjà détendu. Parlé. Voilà. On se détend. On se détend. Okay. Et puis, du coup, comme on a parlé rapidement de nos origines, d'où on vient, etc., moi, je dis, et vous, Catherine, Thierry est des Ardennes, mais vous êtes... Ah, dis-moi, je suis charentais, je suis d'Angoulême. Ah. Et donc, avec un ou deux verres de Prosecco, c'est tout de suite plus facile. Donc, du coup, cette fois-ci, là, je me lance. Le running gag, je regarde Evelyne, et je me lance, je dis... Par hasard, est-ce que vous appelleriez Catherine Régnier ? Elle dit oui, non. Et là, elle me dit, alors, moi, je suis plus enfin... très raccord parce que je me suis fait un film, en fait, qui correspond pas. Je croyais qu'elle m'avait répondu, mais comment connaissez-vous mon nom ? Et en fait, il semble qu'elle m'ait répondu, oui, pourquoi ? Enfin, oui, la réponse classique, oui, bah oui, pourquoi ? Oui, pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous me dites ça ? Et là, je ne sais plus. Alors, il faut demander à Evelyne parce que moi, ouais. Ah, vous étiez dans un état second, vous. Hein. Mais, c'est-à-dire... Vous savez, vous dites... Tiens, un truc, 41 ans. Ça fait 40 ans que vous y pensez. Que je cherche. Et là, au moment d'un apéro, vous vous retrouvez face à celle que vous avez aimée quand vous aviez 6 ans. Absolument. Et alors, c'est vous qui devez tomber des nues. Vous, là, Evelyne, vous dites, non, mais attendez, est-ce qu'on rêve ou pas, quoi ? Mais oui, parce qu'en fait, c'est un moment impalpable en émotion. Parce que c'était vraiment un moment très fort. Enfin, sauf qu'elle n'a rien compris pourquoi vous étiez tous émus. Alors... Catherine, là, pourquoi elle était dans l'interrogation ? Son regard, on voyait déjà qu'il y avait un souci, quoi. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, en fait, ouais. En gros, quoi. En fait, ils me connaissent, ils m'ont traqué. Bah, c'est ça. Et puis, Thierry, c'est pareil. Il dit, mais c'est incroyable, cette histoire. Mais, et là, Catherine, mais si vous voulez, je peux vous montrer mes papiers d'identité. Alors, moi, il me semble lui avoir dit, mais vous vous moquez de moi. Parce que, vraiment, je suis dans un état d'incrédulité. De déni, presque. Ah, complètement. Ah, j'ai dit, vous vous moquez de moi. C'est vrai. Je m'appelle comme ça. Non, je dis, c'est... elle va chercher son permis de conduire, en fait. Voilà. Si, elle dit, je vous jure. Elle y va quand même, vous. Elle va chercher son permis de conduire, elle me montre son permis de conduire. Et là, vous voyez l'écriture. Et je vois l'écriture. Biscornue. Et je la regarde, je dis, vous êtes allée dans cette école-là ? Oui. Vous étiez blonde avec les cheveux longs ? Oui. Et au fur et à mesure que je lui posais des questions, j'avais l'impression qu'elle se décomposait et moi, j'avais l'impression de me liquéfier, quoi. Mais vous ne lui avez pas dit assez vite ? Et donc, rapidement, elle m'a dit, mais comment, quoi, qu'est-ce, quoi ? Voilà. Mais j'ai dit, Vous êtes mon amour de maternelle. Vous êtes ma petite amoureuse de maternelle. Le tout avec un peu de prosecco. Oui. La soirée a dû être assez. Elle a dû être extrêmement touchée, cette dame. Extrêmement. Et ce que je trouvais merveilleux, en fait, c'est qu'ils avaient la même sensibilité que nous par rapport à cet événement, parce qu'ils auraient pu ne pas réagir, en fait. C'est-à-dire, ils ont dit quoi ? Mais ils étaient très touchés et très émus. Mais ils étaient. En fait, oui, on aurait pu tomber. Quelqu'un aurait pu répondre en face. Ah oui, tiens, bah c'est une drôle de coïncidence. Voilà, point barre, fin d'histoire. Sauf que pour vous, c'était quelque chose d'énorme. Sauf... Et ils ont compris que c'était énorme, oui, pour absolument. Vous, je crois. Ils ont été réceptifs. Je crois qu'ils ont tout de suite compris... La sensibilité, l'émotion qui entourait ce moment. Et le truc improbable qui était en train de se produire. Elle se souvenait de vous ? Ah, pas du tout, elle ne m'a jamais calculé à la maternelle. Là, c'était vraiment un amour à sens unique. C'est d'autant plus généreux et tendre de sa part, parce qu'elle aurait pu dire, oui, je ne me souviens pas, et puis allez, on passe à table. Absolument. Alors que là, non, elle a compris que c'était un sujet pour vous, donc elle est rentrée dans cette émotion. Elle ne se rappelait ni de mon prénom, ni de mon nom, elle ne m'a jamais calculé, elle ne m'a jamais vu. J'étais l'amoureux transi. Quoi. C'est comme ça que ça m'est revenu après l'amoureux transi. Oui. Votre amoureuse transi qui habite juste en face de chez vous, là où vous allez déménager, ça ne peut pas être un hasard, c'est de la dentelle. Le destin est tellement bien fait que c'est la dentelle. Vous devez être rassurée en disant, en plus, il est marié, elle est mariée, donc maintenant, on va devenir copains. Vous êtes devenus copains. Amis. Très amis, oui. Vous êtes devenus très amis. Ce qui s'est produit, c'est que, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, déjà, arrivé à un certain âge, on avait donc 47 ans, c'est moins facile de se faire des amis. Vos amis, vous les avez déjà. Ouais. Et en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une espèce de processus. Il faut faire connaissance, il faut se raconter un peu sa vie. Enfin, ça prend du temps. Et là, en fait, il y a un truc qui est tombé tout de suite, parce qu'on est tout de suite rentré dans une intimité. Dire à quelqu'un que vous avez jamais vu, je suis amoureux de vous depuis 40 ans, ça fait tomber des barrières tout de suite. Donc, en fait, l'avez vraiment formulé comme ça devant votre femme ? Non. Okay. Non, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, je lui ai tout de suite dit que j'étais amoureux d'elle depuis 40 ans et que je ne l'avais jamais oublié. Quoi. Ah, c'est joli. Et donc, voilà, les barrières sont tombées tout de suite et on est devenus
J'avais l'impression qu'on était au bout de la soirée, on était déjà très amis, comme si on se connaissait depuis 10 ans. Quoi. En fait, et pour cause, puisqu'on se connaissait depuis 41 ans sans le savoir. On les accueille ? Avec plaisir. Avec plaisir. Thierry, je vous demande de les accueillir. Oui, quelle histoire. Mais quelle belle histoire, surtout. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Elle est toujours aussi jolie. Hein. Vous aussi, ça faisait 40 ans que vous étiez amoureux d'elle un peu. Alors, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est les couleurs par lesquelles il est passé quand Catherine lui a dit « Oui, je m'appelle Catherine Régnier ». Parce qu'il était, de sa couleur naturelle, il est passé au blanc, au vert pâle. Et il a fait « Voilà ». C'était... C'est vrai ? Un camailleux, oui. Vous avez, comment vous avez accueilli cette décomposition ? C'est-à-dire que comment vous l'avez analysée ? Ça peut être un peu effrayant, en disant « Mais qu'est-ce que j'ai juste dit mon nom de famille ? Pourquoi tu fais cette tête-là » quoi ? Enfin, vous faites cette tête-là, parce que vous le connaissiez depuis à peine 2 heures. Quoi. Oui, bah, oui, oui, mais bah, moi, j'étais abasourdie, déjà. Et puis stupéfaite de pouvoir être à l'origine d'un sentiment aussi pur. Vous avez été touchée, en fait. Ah ouais, tout de suite, parce que c'est vrai, comme l'a dit Evelyne, on est d'une sensibilité identique. Et donc voilà, c'était le cœur qui parlait. Et j'ai vraiment pas pensé à une seule seconde que ça pouvait avoir des sentiments pas sains. Oui, bien sûr, voilà. C'était juste pur et un amour d'enfant. Voilà, c'est et vous ça, l'avez. Oui, mais vous auriez pu même en sourire. Et en fait, vous avez accordé grand cas à ce qu'il ressentait. C'est ça qui était assez joli. Parce que quand on connaît bien Christophe, enfin, je ne connaissais pas bien, mais cette émotion, c'est quelqu'un de sensible et émotionnel. Et puis, donc non, je ne pouvais que bien l'accueillir. Enfin, pour moi, c'était ça. Quoi. Je pouvais être que positive à ce sentiment. Vous n'avez pas vu de rivalité, vous, Thierry ? Ah, du tout. Vous n'avez pas dit « Et au passage, c'est moi qui l'ai eu ». Non, bon, après, sur le ton humoristique, évidemment. Oui, évidemment, pour rigoler. Mais non, pas du tout, parce qu'on était dans la pureté de l'émotion. Mmh. Ouais. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'était naturel, quoi. Voilà. Et non, on s'est posé aucune question. Et puis, il y avait ce côté tellement extraordinaire de cette redécouverte. Hors du commun. Ça a tissé quelque chose d'un peu différent. Enfin, c'est-à-dire que ça a mis les bases d'une amitié un peu différente, cette histoire. Oui, moi, j'en suis persuadée. Ah oui, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Je crois qu'on en a souvent parlé. On se dit souvent, on a l'impression de se connaître depuis toujours. En fait, tout ça nous ramène à 10 ans, puisque 2008-2009, ça fait 11 ans. Et en fait, on a l'impression qu'on est amis depuis toujours, comme si on était des amis d'enfance. Moi, dans cette histoire, j'ai aussi gagné un ami, quoi. Je veux dire, Thierry est un ami. Et à bientôt 60 ans, enfin à l'époque bientôt 50 ans, c'est pas si courant de trouver un ami comme ça. Donc c'est aussi. J'ai retrouvé ma chérie, mon amoureuse. Voilà. Vous l'appelez comme ça ? Sur les petits textos qu'on se voit, c'est toujours ma petite chérie de maternelle et ton vieil amoureux, par exemple. Voilà, c'est ça. Ah, oui, est toujours au courant. Ah, oui. Et vous, ça vous embête pas ? Pas du tout. Eh ben moi, je crois que ça m'agacerait un peu. j'adorerais cette complicité, mais je dirais tu vas te détendre quand même sur le ma chérie texto, quoi. Mais moi, je comprends ce que vous dites, parce que d'abord, si on inversait les rôles, je suis pas sûr du tout. Mais oui, c'est pour ça, je le dis sur le ton de l'humour. Non, mais vous avez tout à fait raison, et je suis content que vous abordiez cet aspect-là, parce que je suis pas sûr, inversement, d'avoir eu la même ouverture. Générosité de cœur. Générosité. Et c'est une façon aussi de donner un petit coup de chapeau à Evelyne et à Thierry, qui ont compris de quoi il s'agissait et qui ont fait preuve d'une grande générosité, d'une grande ouverture d'esprit. Et qu'il n'y avait rien de malsain là-dedans, qu'il n'y avait rien de charnel, qu'on est vraiment dans un amour d'enfant qui est resté au fond de votre cœur et qui est resté cet amour d'enfant, finalement. Alors, moi, j'utilise le mot quand même fantasme, parce qu'il y a une notion, il y a quand même une notion de fantasme, mais débarrassé de tout contexte... érotique. Oui, lourd, enfin, pas lourd, mais érotique. C'est... Vous vous rendez compte, retomber en enfance ? La vie, à un moment donné, vous offre la possibilité de dire à quelqu'un, 40 ans après, ce que vous n'avez pas osé lui dire quand vous étiez tout petit, 41 ans après, vous pouvez lui dire,
Et vous êtes, enfin, c'est quelque chose de, qui ne se produit. Et vous n'avez pas eu peur que ces sentiments évoluent et qu'à un moment vous vous dites, je ressens encore des sentiments un peu amoureux? Non. Il y a un espace temporel qui est à prendre en compte, qui fait que il y a un sentiment extrêmement fort qui a été idéalisé lorsque vous aviez 6 ans, qui s'est cristallisé, cristallisé à ce moment-là, et en fait qui a gardé toute sa saveur, qui a gardé toute sa force, toute sa puissance, mais qui, par contre, lorsqu'il est resitué dans votre espace temporel, quand vous avez 50 ans et que vous vous rencontrez, va garder toute sa qualité, mais ne va pas se mélanger, en effet, avec des sentiments amoureux. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la puissance d'un sentiment d'enfant, d'un amour d'enfant qui est platonique, qui est idéalisé, qui est la première fois que j'ai aimé. Je veux dire, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et ce que vous retrouvez, en fait, à travers Catherine, je vais vous dire une chose, c'est vous que vous avez retrouvé. C'est le petit enfant à 6 ans que vous avez trouvé devant Catherine. Absolument. Voilà. Et donc, pour moi, je peux, tomber amoureux d'une autre personne, c'est le propos n'est pas là. Mon amoureuse à moi, c'est Evelyne, c'est ma femme. Il n'y a pas de mélange. Catherine, c'est mon enfant, c'est mon la Madeleine de Proust. Oui, c'est mon petit sucre d'orge, de l'enfance, quoi. C'est ça, ma petite. Vous l'appelez aussi mon petit sucre d'orge. Ah non. Faustine, tout va bien. Non, je Moi, j'ai une crise cardiaque. Non, c'est. Mais vous en parlez pas quotidiennement de cette histoire. Ah non. Parfois, vous faites des petites allusions mignonnes. Oui, et puis même entre nous, si par exemple on échange un texto avec Thierry. Tiens, tu me prêtes ta femme. Tiens, t'as le bonjour de ta chérie, etc. C'est quand même un lien de complicité extraordinaire que vous avez, qui est extraordinaire, et donc qui est votre ciment. Donc j'imagine qu'entre vous, vous en parlez, où il y a le running gag, il est à 4. Entre vous, voilà. Bien sûr. Oui, c'est votre monde. C'est pas redondant non plus. Non, c'est parce que là, aujourd'hui, la seule chose qui revient des fois, c'est de dire, on se pose, et puis quand on se retrouve tous les quatre, il y a un petit moment de silence, et puis on dit... Quand même. C'est incroyable quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est fantastique. Ça revient comme ça, sous cette forme-là. Ou c'est valorisant aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est narcissisant pour une femme. Pendant 41 ans, il a pensé à moi. Je crois que c'est l'homme qui m'aura peut-être le plus aimé. En Thierry, il a dit... Ne dis pas ça comme ça, Catherine. Il va finir très vite, là, quand même. Depuis le plus longtemps, je vais peut-être vous laisser aller avoir une petite discussion. Depuis le plus longtemps, on va dire. Le plus longtemps, voilà. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble, tous les deux? Nous, ça fait 15... Oh la vache, il y a encore 25 ans ou 20 ans. Non, ça fait 13 ans, voilà. Je comprends, le plus longtemps aimé. Voilà, c'est ça. Non, c'est... Voilà, c'est... Mais quand on la raconte, cette histoire... À des amis, autres, à d'autres voisins, à d'autres, pas forcément d'autres voisins, mais des amis. C'est vrai que c'est une jolie histoire et tout le monde est enthousiasmé par cette histoire. On va écouter maintenant l'histoire d'Anaïs, qui est aussi une très jolie histoire, qui est un peu improbable, parce qu'on a vu que l'issue, c'était donc que vous êtes amoureuse de votre demi-frère. Oui, mais pas vraiment. Alors, enfin, c'est pas un demi-frère. Non, il y a rien de consanguin du tout. Voilà, c'est pas par le sang. Dites-moi juste qui il est, alors, du coup. Alors, en fait, c'est le fils de la maman de ma sœur. Parce qu'on a le même papa, mais pas la même maman. Donc, non, je ne l'ai pas. Donc, en fait, mon papa a refait sa vie avec une dame. Et okay, on va reprendre depuis le début. Voilà, donc vos parents se séparent. Voilà, vous restez avec votre papa. 3 ans après, voilà, à l'âge de 9 ans, je décide moi-même de faire une demande pour vivre avec mon papa. Vous vivez avec votre papa. Voilà, on vit tous les deux pendant à peu près une année. Et au bout d'un an de ça, il rencontre quelqu'un, donc Sandrine, avec qui il a une aventure. Et donc, il me dit, écoute, elle a déjà 2 enfants. Donc, Loïc, qui a mon âge. Ah, d'accord, donc il n'y a aucun lien. Non, mais c'est vrai que... Aucun lien. Vous êtes rassurée ? Oui. Donc, maintenant, on peut l'écouter. Voilà. Et donc, et une autre petite fille qui s'appelle comme moi, Anaïs. Donc, ah, c'est drôle. Ans. Vous retrouvez avec une demi-sœur, entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Anaïs et Loïc. Et Loïc. Voilà. Et ils vont avoir un enfant ensemble. Voilà, au bout de quelques temps, ils vont avoir un enfant ensemble qui est ma sœur, Maëva. D'accord, ok. Je dis ma sœur, moi, c'est pas... Oui, mais on essaie bien de comprendre l'architecture de la famille. C'est vrai. De quel œil vous les voyez arriver, Loïc et Moi, au début, très bien, parce que bon, déjà, je suis fille unique. Donc je me dis, ça y est... Ça fait un peu de marmaille. Ça fait un peu de, voilà, ça fait un peu de bazar et tout, on va pouvoir, etc. Et donc mon papa me dit, écoute, vu que t'es très enthousiaste, il me dit, on va passer un week-end chez eux. Parce qu'ils vivaient, par contre, ils ne vivaient pas ensemble. Mon papa avait son appartement avec moi parce qu'il ne voulait pas me brusquer un peu trop. Me brusquer, et donc elle avait son appartement.
Donc il me dit, écoute, viens, t'es pas chez ta mère ce week-end, tu viens et on y va. J'ai dit d'accord. Donc on arrive là-bas. Et donc au début, il nous présente, donc tout se passe bien. Et au moment que mon papa me dit, bah, va avec eux dans la chambre jouer, là, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'ils me font bien comprendre que je suis pas la bienvenue chez eux. Ah ouais? Ouais, ça se passe très mal. C'est-à-dire, je me prends une cassette et jouer dans la figure. En fait, il me repousse vers la sortie de la chambre, quoi. Ah, donc vous dites, en fait, il n'est pas sympa du tout, lui. Non, les deux, hein. La petite, c'était aussi... Ah ouais, la petite. Ouais, c'était la petite. Je la vois encore, parce qu'elle est grande maintenant, mais je la vois encore petite, avec ses cheveux carrés, petite blondinette, toute mignonnette, en fait... Le diable. Le diable, ah ouais, elle était... Pestouille, quoi. Voilà. Donc au début, vous dites finalement, cette famille que j'attendais tant, ces demi-frères et demi-sœurs, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. C'est pas ce que j'espérais. Et de plus de ça, ce qui se passe, c'est que, ben, à l'époque, ils habitaient dans un petit appartement, donc ils dormaient tous les deux dans la même chambre, donc avec deux lits séparés. Et donc, ben, vu qu'il n'y avait pas de place, la maman de donc Sandrine, la compagne de mon papa, lui dit à Loïc, écoute, sois galant. Laisse ton lit à Anaïs, toi tu dormiras sur le matelas. Ça n'a pas dû lui plaire, ça. Ça n'a pas dû lui plaire, c'est-à-dire qu'en fait, en pleine nuit, il arrivait discrètement pour me dire « c'est mon lit ».« Dégage ». ».« Tu dégages », à me tirer les cheveux, à... Et moi, je n'osais rien. Ah oui, oui, très violent. Et moi, je n'osais rien, j'avais même peur de sortir de la chambre pour prévenir mon papa. Ah oui, donc la famille recomposée, ça ne se passe pas bien. Non, je n'aurais pas cru que ça se passe. Et dans le couple, ça se passe comment? Bah, moi, personnellement, j'en ai un bon souvenir. Enfin, je veux dire, je ne les ai jamais vus mal ensemble ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça se termine très vite. Dites-elle avec un grand sourire. Et ils finissent par se séparer. Et voilà. C'est un soulagement pour vous à l'époque, parce que du coup, vous n'allez pas devoir vivre en fait, avec au début, je m'étais dit, c'est un soulagement. Mais quand j'ai appris l'existence de ma sœur, de ma demi-sœur, là, ça a quand même été un déchirement, pas pour eux, parce que j'étais contente d'être séparée d'eux, mais par rapport à ma petite sœur, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est née quand? Elle est née après Maëva? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait... C'est pour ça que vous dites quand j'ai appris l'existence de ma demi-sœur. Voilà, parce qu'en fait, Maëva est née, ils se sont peut-être séparés quelques semaines après, donc ça fait que moi, je ne l'ai vue qu'une seule fois. Donc, oh, c'est dur, ça. Donc vous avez séparé... Je l'ai vue bébé, donc je l'ai vue une fois, et après, ils se sont séparés, et ça a été très... Violent. Très dur, violent, voilà, parce que c'était du jour au lendemain, quoi. Et donc, il n'a pas gardé contact avec sa fille? Non, au début, il en gardait, mais moi, je n'étais pas... Je ne sais pas si c'était pour me protéger ou autre, mais je n'étais pas du tout dans le conflit ou quoi que ce soit, on va dire. Et donc, ça fait que moi, il me l'a vraiment montré une seule fois. Et après, je crois que c'est au bout de même pas deux mois que là, il n'a plus du tout de nouvelles. Il a vraiment coupé les ponts? En fait, c'est la maman de Maëva, qui a coupé Sandrine, les ponts. Qui a décidé de partir et qui a complètement... coupé les ponts. Donc, finalement, ces deux familles se sont retrouvées divisées avec cette petite Maëva qui un peu dans la nature. Voilà, et qui est restée du côté de sa maman. Et alors, ça dure combien de temps, cette séparation va durer? Très longtemps. Je l'ai retrouvée, elle avait 12 ans. Oh, vous allez essayez-vous de la retrouver? Oui, déjà mon papa un premier temps, donc il me déjà ce que j'appréciais, c'est qu'il avait une seule photo d'elle et il l'avait encadrée, il l'avait mise dans ma chambre. Il m'a dit ça, tu l'oublies jamais, c'est ta sœur. Oh, pardon. Je... Pardon. Mais non, je comprends. Et donc il y a des mouchoirs derrière si vous voulez. Derrière le coussin. Oh, merci. Et donc il me dit je vais tout faire pour la retrouver. Et donc il arrive à obtenir une piste pas loin de chez nous grâce à un ami qui lui dit écoute, je crois que j'ai vu ton ex-compagne avec un bébé au magasin. Il me dit c'est toi quoi, enfin la petite. Il m'a dit écoute, va voir, c'est sur Wark. Donc on décide d'y aller, enfin mon papa décide d'y aller seul, pardon. Et donc là, d'après ce que je comprends, en fait, ils ont emménagé pas longtemps après. En fait, ils sont partis entre-temps. Et donc, la mairie n'a pas l'autorisation de divulguer des informations personnelles sur la nouvelle adresse de... Non. Et donc, mon papa, je pense, il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il a été tellement déçu à ce moment-là qu'il a... Il a arrêté de chercher. Il a arrêté. Il s'est dit, c'est elle, quand elle aura l'âge de comprendre et qu'elle sera majeure... Qui me cherchera. C'est elle qui me cherchera. Et là, on se retrouvera tous, quoi.
Sauf donc, que vous, sauf... vous allez vouloir la chercher aussi. Voilà, sauf que moi... Est-ce qu'il y a cette photo dans votre chambre? Voilà, j'y pense tout le temps. Donc, sauf que moi, au début, bon, je fais un petit peu ma vie, etc. Et à l'âge de 14-15 ans, bah, je commence à avoir mon ordinateur... Les réseaux sociaux, etc. Facebook... Et bon, le souci, c'est que je ne savais pas, vu que mon papa n'avait pas eu le temps de la reconnaître, donc parce qu'elle ne porte pas notre nom de famille, elle porte le nom de famille de sa maman, je ne savais pas le nom de sa maman. Donc, je dis, mais comment je vais faire, etc. Et en fait, à un moment, je range des papiers de mon papa, donc il avait dans une commode. Et là, je vois qu'il avait gardé des petits mots que Sandrine lui avait fait, mais des petits mots, je pense, quand elle partait au travail, « Coucou mon cœur », j'ai laissé ça dans le frigo, enfin, des petits mots. Il avait gardé ça sous sa commode à chaussettes. Et avec, il y avait comme une espèce de facture au nom de mon ex-belle-mère. Donc, vous aviez le nom de famille de l'ex-belle-mère. Enfin, le nom de famille. Ça vous aide dans votre enquête. Tout de suite, je suis... Même si je me dis, peut-être que ça ne va pas marcher, mais tout de suite, je me dis, c'est bon, j'ai un nom, j'ai un prénom. C'est donc, bon. Donc, c'est déjà ça. Alors. Et donc, ben, voilà, encore une nouvelle déception. Et là, quelques années après, donc j'ai presque 10 ans après, donc j'ai 22 ans. Et donc là, je dis à mon papa, écoute, ça me pèse, quoi. Elle me manque beaucoup, quoi. Il pense beaucoup, ouais. Voilà, je pense beaucoup à elle. Et là, j'avais déjà refait ma vie. Donc, ça faisait 8 ans que j'étais avec donc, mon ex-compagnon. J'avais une petite fille avec. Ah oui, vous avez fait tout jeune, vous. Oui, ouais. J'ai une petite fille de 6 ans, donc que j'ai eu à 18 ans. Ah ouais. Voilà, ouais, j'ai une fille très jeune. Et donc, j'avais ma petite famille. Mais malgré ça... J'ai pensé toujours à Maëva. Donc, on va chez des amis de ma maman, donc, qu'elle s'était fait. Et là, je rencontre le frère de son amie. Donc, voilà. Le frère de l'ami de ma maman. Et donc, De l'ami de votre maman. Voilà. L'ami, eux Oui, une amie fille, oui. Okay. Sa meilleure amie. Voilà. Vous rencontrez le frère de la meilleure amie de votre maman. Voilà. Qui vous dit quoi? Alors, déjà, moi, je suis très curieuse de nature. Donc, en fait, ça faisait beaucoup de temps qu'on allait chez eux et je l'avais jamais vue. Alors, je lui dis, t'es son frère, mais... Tu sors d'où? C'est bizarre qu'on te... qu'on t'ait jamais vue. Il m'a dit, c'est un peu dur avec ma sœur. Un coup, on se parle, un coup, on se parle pas. Enfin, et là, moi, je commence à faire la dame, parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais je commence à lui faire la morale en lui disant, écoute, moi, j'ai perdu ma sœur, ça fait 12 ans, j'essaie de la retrouver, etc. J'ai dit, tu devrais pas avoir des relations néfastes avec ta sœur, etc. Et là, donc, en parlant comme ça, je rentre, c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un extérieur. C'est-à-dire même mes amis, tout au long de mon ado, je n'ai jamais parlé. Vous à part à mes grands-parents et ma famille proche, quoi. Et donc là, je me confie à lui. Donc je lui explique, je lui donne le nom de mon ex-belle-mère. Et là, il me regarde, bouche bée, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, je crois que je les connais. Je lui dis, ah bon? Et il me dit, oui, il me dit, mais je veux pas te... Parce qu'il savait que j'avais déjà eu des fausses espoirs dans le passé. Il m'a dit, je veux pas te donner de fausses pistes, mais il dit, je vais me renseigner de mon côté. Et je te dis. Et je te redis ça. Donc moi, je dis oui, mais tu te renseignes maintenant, quoi. Dis-moi, dans les deux minutes. Dans les deux minutes. Dis-moi, ça fait 12 ans que j'attends. Tu me dis pas ça comme ça. Et moi, je vais rentrer chez moi. Et j'attends. Je vais me coucher. Puis je vais attendre que tu m'appelles. Il me dit t'inquiète. Et il me rappelle le lendemain. Et il me dit écoute, c'est bien eux. En fait, le parrain, donc de. Moi, je vais avoir du mal à comprendre. Ouais, je sais, c'est compliqué. Donc le parrain de ce monsieur. Voilà. Et c'est le nouveau mari. De Sandrine. D'accord. Ah non, c'est simple en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On est beaucoup maintenant okay. dans la famille. Et donc en fait, il me dit, quand tu m'as dit Sandrine, voilà, avec le nom et le nom de la petite, il m'a dit, j'ai fait le lien parce que mon parrain a épousé une Sandrine qui a une fille qui n'a pas de père. Enfin, parce que c'est mon parrain qui s'en occupe. Il a dit, c'est vrai que la coïncidence, Sandrine, Maëva, puis Anaïs Loïc, parce que bon. Il y avait aussi ça peut plus, mais il voulait quand même, il était gentil parce qu'il voulait quand même vérifier parce qu'il voyait comment j'étais très affleur de peau. Vous avez fait quoi alors pour prendre contact avec eux? Et donc là, il voulait arranger lui, donc il voulait faire lui, parce qu'il trouvait tellement que c'était une belle histoire, il voulait lui faire le médiateur, etc. Ouais. Dire écoute, je leur en parle, etc. Et quelques temps après, je suis contactée sur les réseaux sociaux par Sandrine. Donc, mon ex-belle-mère. Il paraît que tu me cherches. Voilà. Elle ne me dit pas ça, en fait. La première chose qu'elle me dit, c'est « Bonjour Anaïs, je suis très heureuse de te revoir, enfin, de reprendre contact avec toi. » Donc, j'étais soulagée.
Parce que je me suis dit... Est-ce qu'elle va m'attendre avec des griffes sorties voilà, parce ou est-ce que qu'elle je dis, va moi, m'ouvrir je sais les bras pas trop comment ça s'est... Je sais que ça s'est très mal terminé, mais ouais. après, je n'ai pas les détails, j'étais très jeune, donc ouais. mon papa ne m'a jamais mise impliquée dedans. Impliquée là-dedans, oui. Impliquée dedans, donc j'avais peur qu'elle ait, en quelque sorte, c'est triste à dire, mais des reproches sur bien moi, sûr, bien sûr, on ne sait pas. Et donc là, tout se passe très bien, etc. Elle me dit, je dis, mais par contre, je suis très stressée pour les retrouvailles. Et elle me dit, écoute, au pire, écris-lui une lettre en premier. À Maëva ? À Maëva. Et donc, c'est une lettre que j'ai prise aujourd'hui, parce qu'elle l'a gardée. Et donc, je lui dis... Vous pouvez me la lire ? Oui. Je sors les mouchoirs. Oui. D'autres mouchoirs. Prenez un rouleau. Oui. Hop. Elle a même gardé l'enveloppe, c'est pour dire. Ah, elle l'a gardée, c'est dur que ça, dit, ça a dû beaucoup représenter pour elle. Oui, merci. Ça va être dur. Alors, bonjour Maëva. Tu ne me connais pas, mais cela fait longtemps que je te cherche. Je n'ai jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Encore aujourd'hui, j'ai une photo de toi bébé dans ma chambre. J'aimerais tellement que tu fasses partie de ma vie. On a malheureusement perdu beaucoup d'années. C'est la vie qui veut ça, mais j'espère pouvoir rentrer dans ta vie et que l'on rattrape le temps perdu. Tu es ma petite sœur, quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas la même maman, mais nous avons le même papa et cela, pour moi, suffit. J'espère aussi que ta maman fera partie de notre vie et j'espère vous revoir très bientôt. Je t'aime fort, ta grande sœur. Et donc là, après, on a décidé de se voir très rapidement, donc le week-end qui a suivi. Donc je m'y suis rendue avec mon ex-compagnon et ma petite-fille, parce que bon, je lui ai dit, t'es tata, quoi. Et t'as une beaucoup d'informations pour Maëva, quand même. Ouais, la pauvre, elle retrouvait, Mais elle savait que elle connaissait votre existence. Ou elle savait même pas qu'elle avait une sœur, parce qu'elle était tellement petite. Elle m'a dit que c'était vers l'âge de 8 ans seulement que sa maman, elle a parlé de nous. Elle ne savait pas avant. Elle ne savait pas. Non, elle ne savait pas qu'on existait. Vous lui ressemblez ? Je trouve un peu quand même, on a des airs. C'est vrai ? La même bouille. Même. Mais elle ressemble beaucoup à mon papa. Je ressemble aussi à mon papa, mais elle ressemble beaucoup plus à mon papa, je trouve, que ce soit caractère. Vous êtes tombée dans physique. Les bras ? Pas du tout. Ça a été très. Pas froid, mais pudique. Voilà, merci. Ah c'est beaucoup d'émotions quand même. Oui, ça a été très pudique. Donc déjà, on est arrivé. Donc il n'y avait pas Loïc, il y avait juste Anaïs. Donc moi, soulagement. Parce que... Les deux terreurs, vous n'alliez pas en ah plus. Ah non, j'avais encore la rancœur, malgré tout. Ah, vous n'êtes pas rancœur. Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens du mal qu'ils m'ont fait, oui. Alors j'étais pas très contente. Mais après, c'est Anaïs qui nous a aidés. Comme quoi, c'est l'autre Anaïs, parce qu'elle a deux sœurs Anaïs aussi, la pauvre. C'est l'autre Anaïs qui nous a aidés à... À briser la glace. À briser la glace, mais c'est vrai que ça s'est fait aussi naturellement. C'est-à-dire qu'au début, on était très pudiques. Bon, on s'est fait la bise, donc, normalement. Et après, à force de parler... Vous avez fait connaissance, vous êtes retrouvée. On a commencé à faire connaissance, on a vu qu'on... Bon, voilà, on avait deux, trois trucs en commun. Je la trouvais un peu... Je la trouve vraiment délirante, donc c'est le mot. Délirante ? Bon, ouais. Est-ce qu'on peut l'accueillir ? Oui, bien sûr. Elle soit à vos côtés. On accueille délirante Maëva. Merci. Voilà. On n'a pas grand doute que vous soyez en effet sœur. Vous ne pouvez pas vous nier toutes les deux. Non, c'est vrai, une ressemblance, ouais. Quelle aventure pour vous, Maëva. Vous avez pris beaucoup d'informations d'un coup, hein. Ouais, très. Elle vous a beaucoup émue, cette lettre, quand vous l'avez reçue. Sur le coup, j'étais un peu choquée parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'amour dans une lettre. Et ça m'a beaucoup touchée, sachant que mon père me cherchait, que ma sœur aussi m'avait recherchée. C'est pour ça que je lui ai répondu directement, parce que ça m'a beaucoup touchée, quoi. Aujourd'hui, vous êtes très proches, toutes les deux ? Très. Oui, mais ça a été tout de suite. C'est-à-dire, le premier jour, comme je disais, c'était pudique. Mais après, quand on a commencé à discuter, on a commencé à rigoler ensemble, ça a été très rapide. C'est-à-dire que, même pas une semaine après, je l'ai prise en vacances. C'est les vacances scolaires, donc ça a été tout de suite. Une reconnaissance du cœur. Voilà, c'est nos... on s'amuse tout première le temps. Première soirée. Nos premières soirées, c'était vraiment... ça a été instantané, en fait. Il n'y a jamais eu de filtre entre nous, quoi. C'était évident, quoi. Puis, de toute façon, on la ressent. Enfin, même... Dis donc, vous avez eu raison d'y aller à cette soirée. Hein. Ouais, voilà. Et alors, c'est pas tout. Non. Il y a un deuxième effet qui se coule. Ah. Voilà. Bon, le deuxième effet, c'est que donc, quelques temps après nos retrouvailles, le papa de ma fille décide de me quitter, donc de partir.
Et donc là, j'étais heureuse d'avoir Maëva parce que ça m'a beaucoup aidée. Donc je la prenais toujours à la maison. Je veux dire, j'ai rien changé là-dessus, malgré mon chagrin. Et ça nous a même plus renforcées toutes les deux parce qu'on était vraiment entre filles. C'est-à-dire qu'il y avait ma fille, moi et elle. On s'est vraiment retrouvées parce qu'à l'époque, il y avait mon ex-compagnon qui était tout le temps présent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion d'être ensemble toutes les deux. Donc vous avez créé une vraie complicité. Et donc là, on a vraiment créé une grande complicité. Et donc, quelques temps après ça, parce que moi, je n'avais toujours pas de nouvelles de Loïc. Alors, ça faisait presque 2 ans qu'on s'était retrouvés, mais lui, je ne demandais même pas de nouvelles. Oui, ça ne vous intéressait pas, puisque vous n'aimiez pas trop. Non, ça ne m'intéressait pas. Et donc là, c'est incroyable, mais par le biais du hasard, elle passe une semaine de vacances chez lui. Et donc, vu qu'elle était chez lui, elle me parlait via les réseaux sociaux, parce que bon, on s'envoie toujours des photos pour voler, tout ça, n'importe où on est. Et là, son frère donc, est à côté et il lui dit « Mais tu parles à qui ?» Et là, elle lui dit. Et il dit « Mais ça fait combien de temps ?» Il a dit « Vous avez mis du temps à me le dire, etc. » Il a dit « Tu peux me montrer son... » Ouais, et il là, a envie de te parler. Voilà, et là, il avait tout de suite envie de me parler, quoi. Ouais. Et donc, il m'a envoyé un message via les réseaux sociaux. Pardon de t'avoir tiré les cheveux il y a... Non, il s'en souvient même pas. Il s'en souvient même pas. Il fait semblant, parce qu'à l'âge-là, je me dis, c'est bizarre. Et il vous a dit quoi? Et donc, ça a été très simple. Il m'a dit, coucou, c'est super, vos tes retrouvailles avec Maëva, je suis contente pour vous. Et il m'a dit, mais ce serait bien que tu viennes boire le café, tout de suite, tu viens et tout. Et moi, j'étais pas trop à y aller. Il y avait des souvenirs quand même. Voilà, il y avait des mauvais souvenirs. Alors je me dis, on sait jamais, des fois que j'y vais, mais que c'est pas pour... qu'il me fasse quelque chose de mal. Moi, j'étais dans cette... Vous l'aimiez pas, quoi. Ouais, j'étais vraiment dans cette optique-là. Vous l'aimiez pas. Il veut me voir. Donc, vous êtes allé boire le café. Voilà, au bout d'un certain temps, il a bien ramé, c'est-à-dire, on s'est reparlé, d'ici mars, et j'y étais début mai. Pendant 2 mois, il m'envoyait tout le temps des... Et moi, je lui disais, non, mais je travaille. Il m'a dit, mais tu travailles tout le temps. J'ai dit, je travaille, je fais des heures sup, machin. Enfin, je trouve toujours des excuses pour pas y aller. Et là, un jour, je me dis, bon, allez, je vais quand même y aller, quoi, sinon. Et donc, j'arrive là-bas. Donc, déjà, j'apprends qu'il habite à même pas 30 minutes de chez moi. Donc, je me dis, bon, il est pas loin. Et donc, là, à ce moment-là, j'arrive et je le vois arriver au loin avec un ami à lui. Et là, je panique. Je me dis, mais pourquoi ils sont deux? Tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me faire, quoi? J'étais tout de suite... Sur la défensive. Et puis, je me vois encore me coller contre ma voiture pour être prête à dégainer, à l'ouvrir au cas où qu'il y a quoi que ce soit et pouvoir m'enfuir, quoi. J'étais vraiment dans cette optique-là. Et là, il arrive avec un sourire, un grand sourire. Et là, je ne sais pas si le coup de foudre existe, mais avant même qu'il parle, j'ai su. Je ne sais pas. C'était l'homme de votre vie. Ouais, je le savais. Je savais que ce qui allait se passer... Enfin, je ne suis pas devin, mais je savais ce qui allait se passer entre nous, quoi. J'étais tout de suite sous le charme de lui. Donc maintenant, Maëva... Votre frère et sort avec votre sœur. C'est ça. Ça, c'est dingue. Et raconte-tu, tu sais, l'anecdote. Je sais pas si tu te souviens l'anecdote que tu as eue à l'école. Parce qu'elle devait faire un arbre généalogique. Et donc, à un moment, elle dit. Dans l'arbre généalogique, elle dit la vérité, quoi. Donc, elle met son frère, sa sœur ensemble avec le petit, parce qu'on a un enfant maintenant. Oh. Elle met le petit, donc son neveu. C'est qui pour vous, Maëva, le fils de votre sœur et de votre frère? C'est son neveu des deux côtés, quoi. Parce que... C'est mon double neveu, quoi. Voilà, c'est double neveu. Il l'appelle double tata. Ah ouais? Mais ça vous a pas... Ça a dû faire bizarre à vos parents. Parce que vous, à la rigueur, bon, vous n'êtes pas beaucoup vus avec Loïc quand vous étiez enfant, Maëva non plus. Mais pour les parents, ils vous ont vus vraiment comme les enfants. Tous c'est ça. Moi aussi, j'aurais cru, parce que vu qu'ils sont séparés en mauvais termes, je me suis dit, oulala, ça va. C'est pour ça que ça a mis du temps quand même, nous deux, à se construire, parce qu'on se cachait au début. Oui, ça va refaire un lien entre vos parents. Voilà, qui peuvent plus se saquer. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était très dur. Mais en fait, moi, mon papa, après, je ne sais pas maman personnellement, mais bon, elle est très gentille aussi, mais mon papa a très bien réagi. C'est-à-dire que mon papa, il est devenu fou. Il a dit, non, mais l'histoire... Il m'a dit, tu te rends compte, mon petit-fils, c'est en quelque sorte grâce à moi, parce que je ne serais pas mis avec Sandrine. Et votre belle-mère est devenue votre belle-mère. Oui, voilà, ma belle-mère et ma belle-mère maintenant. Ça, c'est hyper drôle. Et c'est ma sœur et ma belle-sœur. Oh là là, c'est compliqué, c'est un film, votre histoire. Voilà, incroyable. Et alors Loïc n'a pas pu être là aujourd'hui. Non, il n'a pas pu se libérer pour son travail. Mais il a quand même voulu vous laisser un message. Regarde. Vous avez une surprise.
Coucou ma chérie, voilà, je voulais te laisser un petit je t'aime, te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, de toutes les conquêtes que j'ai eues dans ma vie. J'ai jamais été aussi heureux qu'avec toi. T'es une femme formidable. Je sais que c'est toi la meilleure parmi toutes les femmes qui existent sur cette terre. Je t'aime très fort et gros bisous à toi. Merci beaucoup. Ça, c'est de l'amour. Hein. Oui. Il veut se rattraper. Il veut se rattraper d'avant. Non, mais oui, c'est quelqu'un de... Voilà, je suis très fière d'être avec lui. C'est quelqu'un de bien. Bah, vous, au moins, vous pouvez vous dire que voilà, toute votre famille restera toujours autour de vous, Maëva, parce que tout s'est tellement imbriqué. Et... Bah, c'est quelle belle histoire. Hein. On s'est retrouvés tous séparés, puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés une très grande famille, parce que bon, vu que c'est tout dû recomposer, parce que maintenant, mon papa a aussi refait sa vie. Il y a encore d'autres enfants, et on est tous... Et Maëva va tomber amoureuse. Mais c'est ce qu'on disait, parce du que... Du fils de la compagne de votre père. Mais c'est ce qu'on disait, parce que moi, ma maman bon, a refait sa vie avec mon beau-père, j'ai aussi ben, un frère et une sœur de l'autre côté, je lui ai dit, mais tombe pas amoureux de mon frère, s'il te plaît. Parce que là, même s'il n'y a rien de sang, enfin, ouais. Ça va être trop, ouais. Non, ça va être trop compliqué. On s'en tient là, quoi. Alors, on voilà. Va continuer à s'intéresser au coup du destin avec votre histoire, Petra, parce qu'elle est complètement dingue aussi. Vous avez donc grandi, on vous a dit que votre père était mort. C'est ça. Parce qu'à l'époque, ma grand-mère avait dit à ma mère, tu ne peux pas dire que tu es fille-mère, parce qu'à l'époque, ça, c'était très mal. Ça ne se faisait pas, oui. Parce que j'avais pas, voilà, elle n'était pas mariée, mon père était déjà marié, avait déjà des enfants quand elle l'a connue. Donc voilà, je suis arrivée comme ça, et ma grand-mère a dit à ma mère, tu ne dis rien, tu dis qu'il est mort. Il est mort de quoi? Vous avez grandi, on vous a dit qu'il était mort de quoi? Alors c'est ça, c'était ça le problème. C'est que ma mère était une femme charmante, mais qui avait très peu de mémoire. Et à chaque fois, elle me donnait une version différente. Ah. Donc il était mort de plein de trucs. Alors, ah oui, alors il y a eu l'accident de voiture, il y a eu la maladie. Enfin, il y a eu vraiment... Bon, je ne lui demandais pas non plus tous les matins. Hein. Mais j'ai dû demander 3-4 fois et j'ai eu une version différente 3-4 fois. D'accord. Voilà. Vous avez grandi, vous avez une enfance un peu chaotique. Hein. Vous êtes, oui, vous c'était avez... compliqué. Ça oui. A été compliqué. J'ai vécu compliqué. Chez ma grand-mère d'abord, après chez mon oncle et ma tante. Vous étiez trop choupinette. D'accord. À quel moment vous avez commencé à reposer des questions sur votre père? Quand j'ai commencé l'adolescence, je me suis dit, bon, je voudrais quand même bien savoir comment il est mort. Bon, alors j'ai eu une dernière version. Et en fait, ça a changé vraiment le jour où j'ai eu 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans? Alors, à 16 ans, j'ai entendu une conversation entre ma mère et ma grand-mère parce qu'il y a eu une nouvelle loi qui est passée disant que les enfants, même illégitimes, avaient un droit d'héritage. Ouais. Et donc, j'ai entendu ma mère et ma grand-mère qui disaient « Mais alors, tu devrais te renseigner parce qu'elle a peut-être droit à quelque chose, etc. » Alors, j'ai chopé ma mère à la sortie et je lui ai dit « Écoute-moi bien, maintenant, je suis grande. Alors, maintenant, tu vas me dire la vérité. Il est mort ou il n'est pas mort ?» Voilà. Et là, elle vous a dit, il n'est pas mort. Et là, elle m'a dit, je ne sais pas. Ah bah oui, je sais pas. Elle m'a dit, il n'était pas mort au moment où on te l'a dit, mais elle dit, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc, elle m'a donné son nom, son adresse en France, son adresse au Maroc, parce qu'il était pied noir marocain. Et elle m'a dit, voilà, si tu veux te renseigner, renseigne-toi. Vous l'avez fait? Alors, je l'ai fait au départ, oui, bien sûr. Et j'ai ouvert le bottin, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des bottins, hein, il n'y avait même pas le minitel. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai ouvert le bottin et j'ai vu une vingtaine de pages. Il a un nom qui est très, très courant. Ah. J'en ai appelé quand même hein, une dizaine ou une vingtaine. Et puis après, j'ai dit non, mais c'est phénoménal comme recherche. Et je me suis dit, bah, ça sera le destin. Si ça doit se faire, ça se fera. Et sinon, tant pis. Voilà. Et le destin va être très bien fait. Le destin a été très bien fait, mais de façon très étonnante. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais mannequin à l'époque. Et j'ai commencé à être mannequin, à faire des défilés. Et mes premières photos, mon premier shooting photo, c'était pour une marque de vêtements. Bon, et le propriétaire de la marque de vêtements est venu assister aux photos. Et c'était un pied noir marocain. Et il a commencé à me draguer, etc. Et, tout. Et à la fin, je ne savais plus comment m'en débarrasser. Et donc, je lui dis, oh là là, vous, les pieds noirs marocains, vous êtes infernaux, parce que, voilà. C'est... Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, bah, parce que mon père, ça devait être le même style, voilà, vu ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, le type me dit, ah, mais moi, je connais tous les Marocains de Paris, comment s'appelle ton père? Donc, je lui donne le nom de mon père.
Et je vois le type qui change de tête et tout ça. Donc, je savais que ce n'était pas mon père, hein, attention, ouais, parce que mon père avait deux doigts coupés. Et donc, j'avais vu qu'il n'avait pas les doigts. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, j'ai vu vraiment changer de tête. Il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose, oui, oui. Et il me dit, ah, mais tu sais que je le connais très bien, ton père. Et en fait, mon père était le monsieur qui avait piqué sa femme. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, c'est ennuyeux. Votre naissance, sa femme à lui était partie avec lui, mon père, avec le photographe, avec mon père. Non, pas le photographe. Alors, mon père était parti avec la femme du propriétaire de la marque. Ah là là, voilà. Là. Oh malaise. Voilà. Donc, d'où le changement de couleur. Qui était parti. D'où le changement de couleur. D'où le changement de couleur. Mais alors, c'était son ennemi juré, quoi. Et ben, au départ, oui. Mais en réalité, mon père était très riche. Et cette femme s'est fait acheter un superbe appartement par mon père. Et elle l'a plaqué tout de suite après. Oh, et finalement, dans l'adversité, s'étant fait avoir par la même femme, ils étaient devenus copains. Ah. Donc, clairement, cet homme-là vous dit « Je suis très copain avec ton père ». Voilà, « Je suis très copain avec ton père, je le connais très bien ». Et il vous dit qu'il est vivant ? Oui, oui, absolument. Donc là, mais c'est un truc incroyable pour vous. Vous aviez quoi, une vingtaine d'années ? J'avais, oui, une petite, oui, 19-20 ans. En fait, il n'était jamais mort. Mais là, vous avez dit, donnez-moi tout de suite son numéro, que je l'appelle, quoi, que je rencontre. Alors, je lui ai dit, j'aimerais bien quand même le rencontrer. Et il m'a dit, écoute, donne-moi le nom de ta mère. Et parce qu'il voulait vérifier un petit peu, voilà, c'est normal. Oui. Donc, il m'a demandé le nom de ma mère et il m'a dit, je lui en parle. Et je te dirai. Et donc, je lui ai donné mon numéro. Et le lendemain, c'est mon père qui a appelé à la maison. Donc, allô, c'est papa. Voilà. Donc, il m'a dit, voilà, je suis un tel. Et il m'a dit, est-ce que je peux parler à ta mère? Donc, je lui ai passé ma mère. Et il a vu avec ma mère. Et ma mère m'a dit, bon, bah, écoute, on va déjeuner ensemble demain tous les deux. Et après, on vient te chercher. Et voilà, on continuera la journée avec toi. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, ils sont allés déjeuner tous les deux. Et donc, je pense qu'ils voulaient être bien sûr aussi jusqu'au bout. Ouais. Et après, ils sont venus me chercher. Et ils m'attendaient en bas avec la voiture. Est-ce que le contact s'est fait ? Est-ce que l'accueil a été chaleureux ? Pas du tout. Pas du tout. Mais je n'avais pas du tout envie d'être chaleureuse. Parce que moi, ma mère m'avait quand même confié qu'elle lui avait écrit une lettre en disant qu'elle était enceinte. Et je ne lui demandais pas, c'était deux adultes consentants à l'époque, hein, donc je comprenais, ma mère était, bon, entre guillemets, aussi fautive que lui, je ne lui en voulais pas de ne pas avoir voulu vivre avec moi. Mais en revanche, c'était quelqu'un de très riche et il nous avait laissés dans un dénuement total. Et ça, je lui en voulais énormément de ne pas avoir essayé de faire quelque chose, au moins financièrement. Voilà. D'accord. Donc j'étais quand même très froide, mais j'étais contente de le voir. Parce que malgré tout... Moi, je ne correspondais pas à ma famille. Je les aimais beaucoup, ils étaient très gentils, ils étaient tout ce qu'on veut. Mais j'avais l'impression que j'étais le vilain petit canard là-dedans parce que je n'avais rien en commun avec eux. Quoi. Rien en commun avec eux. Et quand j'ai vu mon père, alors ce n'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi quand j'ai commencé à le connaître, je me suis aperçue que j'avais énormément de lui dans le caractère, dans le... Voilà. Donc, ça m'a quand même permis de... De comprendre votre histoire. De comprendre plein de choses, voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Non, ça ne s'est pas arrêté là. Le destin, il a fait son coup en deux temps. Voilà, on s'est fréquentés pendant à peu près un an où on se voyait tous les soirs. Il m'emmenait faire le tour des boîtes tous les soirs. Il m'emmenait partout, il me présentait partout. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Il me demandait tous les soirs, mais je voudrais te reconnaître. Moi, au départ, je lui disais... Je disais, bah, ça s'est bien passé comme ça jusqu'à présent. Voilà, on continue on reste comme ça. Ouais. Et un jour, à force qu'il me demande, je lui ai dit, tu veux me reconnaître? Ok, vas-y, tu me reconnais. Et là, pouf, machine arrière. Ah oui, mais tu comprends, mes autres enfants, ils ne sont pas au courant, etc. Et je dis, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, tu sais quoi? Vu comment tu te comportes, on va arrêter là, on s'est connus, on s'est vus. Maintenant, hop, c'est fini. Vous avez coupé les ponts. On ne se verra plus. J'ai coupé les ponts complètement. Complètement. Et donc, il s'est passé deux ou trois ans à peu près. Et je savais donc qu'il m'avait parlé qu'il avait deux garçons et une fille, hein, qui avaient, je pense, au moins une dizaine d'années de plus que moi. Et puis un jour, trois ans après, je vais dans un restaurant avec une amie à moi, et, non, avec un groupe d'amis. Et puis, tout d'un coup, je vois rentrer mon père
avec une femme qui n'était ni, la mère de ses enfants, ouais, ni sa deuxième femme, c'était encore une autre. D'accord. Et je le vois, il monte à l'étage directement et je vois le directeur du restaurant qui se précipite. Bonjour monsieur, avec son nom, monsieur Untel, comment allez-vous monsieur Untel, machin. Il insistait bien, il avait l'air de bien le connaître. Donc je dis rien, mon père ne me voit pas, je repars du restaurant et le lendemain j'y retourne, c'était un restaurant très à la mode, très branché. Et le lendemain j'y retourne et j'y retourne avec une amie qui connaissait ce fameux directeur. Alors, par curiosité comme ça, je dis au directeur, dites-moi, il vient souvent ici, monsieur Untel. Alors il dit, mais quel monsieur Untel? Je dis, écoutez, hier vous vous êtes précipité sur lui, comment allez-vous monsieur, comment allez-vous? Ouais. Il me dit, ah celui-là. Et puis il tape sur l'épaule d'un type qui était à côté de lui. Et il dit, voilà, la demoiselle, elle voudrait des renseignements sur monsieur Untel. Et le type se retourne et il dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est mon père. Alors je lui dis, bah, écoutez, vous savez quoi, on est grands tous les deux, alors je vais vous le dire, c'est mon père aussi. Incroyable, type... vous l'aviez jamais vu cet homme-là dans le restaurant? C'était le patron du restaurant. C'était le patron, mais vous ne le connaissiez pas en fait? Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais fait attention à lui, mais j'allais tout le temps dans ce restaurant. Incroyable. Au moins trois fois par semaine. Et alors qu'est-ce qu'on se dit? Bah, alors, donc, et alors je lui dis, c'est mon père aussi, il me dit, bon, bah, montez et je vous rejoins. Parce qu'il était en train de discuter avec quelqu'un. Donc je monte au bar et il arrive et il me dit, alors comme ça on est frères et sœurs? Alors je lui dis, bah, écoutez, oui, mais vous ne doutez pas plus que ça quand même. Moi, j'étais étonnée qu'il me dise ça comme ça. Et il me dit, non, non, parce que vous ressemblez énormément à ma sœur. Ah. Voilà. Donc il a été tout de suite sûr qu'on était de la même et famille. Et vous êtes devenus proches? Eh ben non, pas du tout. Parce que alors, moi, c'est tout l'inverse de là où ça se passe bien. Ouais. C'est moi, tout se passait à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'était son restaurant. J'étais avec une amie. Il m'a présenté à tout le monde. Il a fait comme mon père. C'était bien le digne fils de son père. C'est-à-dire qu'il m'a présenté tout le long de la soirée. Il est venu avec des gens. C'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Il racontait l'histoire et tout. Et à la fin, il monte avec un dernier de ses amis, clients, etc. Et il dit, c'est ma sœur et tout. Et à ce moment-là, on m'amène l'addition. Alors, je me suis dit, quand même... Et là, son ami lui dit, mais attends, c'est ta sœur, tu la rencontres aujourd'hui et tu lui amènes l'addition. Ah, ouais. Ouais, c'était pas très bon goût. Donc j'ai dit, vous savez quoi, la famille Untel, j'ai compris comment ils étaient. Donc, je suis contente de les avoir vus, mais je ne veux plus les connaître. J'ai payé et je suis partie et je ne les ai jamais revus. Ah. Jamais revus. Ah, et j'ai su après que mon père était mort. Mais des années après, voilà. Aujourd'hui, vous avez toutes les pièces du puzzle de votre famille. Je peux encore avoir deux hasards. C'est rencontrer mon autre demi-frère à qui je ressemble beaucoup. Et ça m'aurait amusé de la voir. En revanche, bah, vu comment le destin a l'air de vous jouer des tours, on ne sait jamais ce qui peut vous attendre. On sait jamais. Mais je pense qu'elle sait que j'existe. Et peut-être qu'elle regarde l'émission. Ah ben moi, j'ai fait 10 ans de télé. Alors, si elle avait dû me reconnaître, je pense que ça fait un moment qu'elle l'aurait fait. Vous étiez dans quelle émission? Moi, je faisais Matin Bonheur et 40 degrés à l'ombre. Évidemment, c'est pour ça que vous êtes aussi très à l'aise devant les caméras. Et on me reconnaît. Et là, tout le monde dit, mais oui. J'ai dit à Evelyne tout à l'heure, j'ai dit, je connais cette dame, mais j'arrive pas à savoir. Oui, mais enfin, vous vous êtes dit ça avec Thierry. Oui. Exactement. Vous reconnaissez tout le monde, vous. Je vous ai déjà vu quelque part. Donc, je pense que s'ils avaient dû avoir envie de me recontacter, ils m'auraient recontacté depuis. Mais bon, moi, ma curiosité a été satisfaite. Ça m'a donné la solution à plein de choses. Ouais. J'ai compris des tas de choses. Ça a dénoué des nœuds de mon caractère. Ça a dénoué votre histoire, beaucoup. Voilà, donc ça vous a suffi, pour moi finalement. Le principal. Mais il n'y a pas eu d'affect. Il n'y a pas eu d'affect dans cette histoire. Voilà. Incroyable, toutes ces histoires, hein, Christelle. Vous n'étiez pas dans une quête, dans une attente, dans un besoin, en fait, avec un manque, mais vous aviez besoin de reconstituer le puzzle pour savoir, en fait, connaître votre histoire. Mais vous n'étiez pas dans l'attente de vous... comment dire, ce qu'ils étaient ne correspondait pas à votre système de valeurs. Mais vous savez, et moi, là, vous avez su mettre la bonne distance. Et ça, c'est très bien. J'ai toujours dit une chose, c'est que dans la vie, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Ils sont tous capables de procréer.
de faire des enfants. Donc, ce n'est pas parce que c'est nos parents que ça devient des gens bien. Mmh. Donc, je pense qu'on est en droit de juger ses parents en tant que personne, et que si on estime que ce ne sont pas des gens bien, mmh, voilà, on a le même sang, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire... voilà. J'ai adoré écouter vos histoires. Elles sont toutes aussi folles les unes que les autres, même si bon, l'aboutissement est parfois heureux. Ça a créé des amitiés, des familles recomposées. En tout cas, des histoires de vie complètes. Et je sais à quel point c'est essentiel de savoir d'où on vient, à qui on ressemble. Ouais, et c'était l'essentiel pour vous. Merci de nous les avoir racontées. Merci à vous. Je peux vous souhaiter d'avoir d'autres coups du destin. Enfin, là, vous avez eu votre dose, hein, je pense. Merci, en tout cas. Ça nous a fait rêver un peu. C'est vrai, là, je me dis qu'on va peut-être sortir. Il peut nous arriver n'importe quoi. Peut-être un demi-frère. Peut-être un demi-frère. Ah, non, non. Ça va. Mais vous avez raison, en effet. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous d'avoir écouté les espoirs de nos invités. Merci à tous pour votre fidélité. Vous allez retrouver Daphné Burki et toute sa bande dans un instant. Merci d'être fidèle. Ça commence aujourd'hui et donc à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. À un moment de votre vie, vous avez aimé le même homme et pourtant vous êtes toujours amis aujourd'hui. Vous avez perdu l'un de vos proches sur fond de rivalité amoureuse et vous aimeriez le retrouver pour enterrer la hache de guerre. Vous êtes deux femmes à aimer le même homme et vous formez avec lui un trio particulier. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.